Bonjour à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre la photo et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à ma série de réflexions vénitiennes dans laquelle je vais partager avec vous pourquoi j'ai retouché les photos de cette manière, à la fois d'un point de vue de mes choix généraux sur la série pour garder une cohérence visuelle et puis d'un point de vue plus individuel sur certaines photos en particulier. Passons sur l'ordinateur. Et donc je vais passer en revue les différentes photos, peut-être que je couperai celles où c'est pas ultra intéressant. Commençons par la première, donc ça c'est la version finale, mais au départ elle était comme ceci. Donc j'ai commencé simplement par ajouter du contraste, parce que c'est ce qui me semblait le plus manquer, et également de l'exposition, parce que du coup cette partie était un petit peu trop sombre. Boum, cette partie est suffisamment lumineuse, par contre à gauche c'est trop lumineux à mon goût, ça attire trop le regard, puis c'est un peu cramé. Du coup j'ai simplement mis un filtre gradué, qui simplement est là pour diminuer l'exposition. Donc vous voyez que je l'ai mis jusque là tout simplement, et j'ai donc diminué l'exposition et un petit peu le contraste également, histoire d'avoir une partie de l'image qui prenne pas trop de place sur le reste. Et puis au final c'est tout, donc vous voyez, c'est une retouche qui a été très très rapide. Sur celle-ci, vous voyez que ce que j'ai fait d'abord, c'est recadrer un petit peu, parce que j'avais cadré en 4 tiers à la prise de vue et je préférais un 3,5 pour de l'horizontale. Vous voyez que j'ai testé un petit peu différents recadrages pour préciser un petit peu les choses. Et puis ensuite, j'ai fait une retouche assez classique où j'ai rajouté du contraste, puis un petit peu d'exposition pour illuminer un petit peu l'image. J'ai rajouté un petit peu de clarté. Alors je me suis dit, peut-être faisons d'abord la clarté avant le contraste. Donc j'ai enlevé du contraste ici, voilà. Modifié un petit peu ma clarté. Et là, j'ai mis le contraste seulement après, de manière à pas avoir une image trop dure, parce que vous voyez que ici, j'étais avec une image un petit peu trop dure à mon goût. J'ai également mis un tout petit peu de vignettage après, histoire de fermer un petit peu l'image, parce que je trouvais que ici, vous voyez, les coins étaient un peu trop lumineux. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu de vignettage de manière à ramener un petit peu l'attention au centre de l'image. Et ensuite, j'ai tout simplement rajouté un filtre radial sur le gondolier. Et ce filtre radial, il est juste là pour ramener un petit peu d'attention dessus. Donc vous voyez que j'ai rajouté en gros un petit peu de clarté et d'exposition, de manière à ramener un petit peu de lumière, parce que si vous voyez avant, il est présent parce que c'est quand même une silhouette très reconnaissable, mais il est nettement plus sombre que cette partie-là de l'image, et du coup l'œil va avoir tendance à aller un petit peu moins dessus. Donc c'était important de ramener un petit peu l'attention sur lui, comme je l'ai fait ici. Alors sur celle-ci, vous voyez que voilà, à la base l'image était comme ça, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit peu de contraste, vous voyez que déjà là, ça va beaucoup mieux, parce qu'on voit déjà beaucoup mieux le visage un peu angélique ici, etc. J'ai diminué un tout petit peu l'exposition pour éviter qu'il y ait parties qui soient un petit peu trop lumineuses à mon goût. Et ensuite j'ai ajouté un filtre radial qui m'a permis tout simplement de rajouter un petit peu de clarté ici, de manière à mieux voir les textures qu'on voit derrière, et aussi est-ce que les ombres, l'ombre des personnages, la silhouette des personnages se détache un petit peu mieux de l'arrière-plan. Ensuite, j'ai recadré légèrement, j'ai changé un tout petit peu mon cadrage, bon, pas grand chose. Et puis, il y avait ces fleurs qui attiraient beaucoup l'attention, donc j'ai juste diminué la saturation de manière à ce qu'elle soit quasiment grise. Et du coup, là, on a l'impression que c'est... on sait pas trop ce que c'est, mais du coup, on le voit pas. Et ça m'a suffi. Alors, j'aurais pu faire un truc compliqué pour essayer de l'enlever de l'image avec Photoshop, je sais pas quoi, mais j'ai trouvé que ça, ça suffisait largement. Ensuite, j'ai également légèrement diminué la température de couleur, donc donner une teinte plus froide à cette partie de l'image, donc avec ce même filtre radial que j'ai fait avant. Mais le seul problème que je vois, c'est que regardez bien la tête de l'espèce d'angelot ici, si je reviens avant, elle était beaucoup plus jaune, et par contre ça c'était bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour compenser? Eh bien j'ai mis un deuxième filtre radial, où là par contre j'ai juste mis sur son visage à lui, juste pour réaugmenter la température à peu près autant que ce que j'avais diminué, de manière à avoir vraiment juste son visage qui est dans les couleurs chaudes, ce qui contraste vraiment très très bien avec les tons beaucoup plus bleutés ici. Notez que même si j'ai refroidi les couleurs au milieu, elles étaient déjà plus froides au départ. Vous voyez qu'au départ, on a déjà des tons un petit peu bleutés ici. Vous voyez là, sur l'immeuble, on voit bien que c'est bleuté, le sol il est un peu bleuté. J'ai juste renforcé quelque chose qui était déjà là, à la base, dans l'image. Et la raison pour laquelle je le fais en retouche locale, c'est pour pas toucher au reste, parce que j'aime bien les tons chauds qu'on a à droite et à gauche. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur cette image. Donc vous voyez, un peu plus de retouche locale, un peu plus de travail, mais il y a encore quelque chose d'assez simple. Juste on fait quelques réglages sur l'image en général, et là je voyais que je voulais une plus grande différenciation des tons chauds et des tons froids, et c'est à peu près tout.
Alors sur cette image, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien d'abord, elle était comme ça au départ, donc vous voyez, j'ai pas fait de recadrage particulièrement, par contre j'ai tout de suite augmenté le contraste, parce que c'est vraiment ce qui manque, hein. Ce que je veux c'est que vraiment cette silhouette se détache, et donc avec le contraste, vous voyez que tout de suite, elle se détache beaucoup mieux, et également on gagne de la saturation, du pop un petit peu dans les couleurs très jaune-orangé des statues. J'augmente légèrement l'exposition parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de lumière, et puis ensuite, j'ai ajouté un filtre radial qui est là tout simplement pour, comme vous allez le voir, hein, je vais vous l'afficher, qui est là pour rendre le bas de l'image un peu plus bleuté. Vous voyez que juste avant, j'avais essayé de jouer sur la saturation du bleu, donc j'avais essayé de rendre les pavés plus bleutés, parce que vous voyez qu'à la base, ils sont déjà un peu bleutés. Hein. Comme souvent, ce que je fais, c'est renforcer un truc qui est déjà là. Donc les pavés sont un peu bleutés, je les veux plus bleutés pour faire vraiment cette différence entre les tons chauds ici et les tons froids là. Je tente avec la saturation du bleu, vous voyez, ça marche pas trop, hein, parce qu'on a vraiment un truc un petit peu dégueux, voilà, vous avez des pavés bleus et des pavés gris à côté, donc ça marche évidemment pas du tout. Du coup, j'ai simplement fait un filtre radial qui est juste là pour ramener un petit peu de couleur bleutée ici. Ensuite, vous avez toute une série de réglages qui paraissent très compliqués, mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est simplement rajouter ici un petit pinceau de retouche, donc un outil un peu plus localisé, et vous allez le voir si je zoome sur la photo. En gros, ce que j'ai fait, c'est renforcer cette partie ici. Donc je l'ai principalement, vous voyez, j'ai diminué l'exposition, augmenté le contraste et assombri les ombres. Donc je voulais vraiment assombrir ça à fond pour qu'on voit très très bien son bras ainsi que la cigarette, parce que c'est vraiment les parties importantes. Et voilà, je voulais souligner ça parce que vous voyez que sur la photo à la base, comme il y a ce bois assez clair en arrière-plan, et bien du coup, on le voit moins et ça rend la silhouette moins visible. Donc là, simplement, c'était pour améliorer la visibilité de la silhouette qui était déjà là, de manière à ce qu'elle se détache davantage sur l'arrière-plan, surtout en petit format, en grand format d'assez près, on l'aurait bien vu, mais ben, sur des photos sur le web, par exemple, voilà une partie de la silhouette qu'on aurait moins vue, et c'est celle qui m'intéressait. Hein. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente sur l'editing, je vous ai dit que j'ai choisi celle-ci parce qu'elle a cette cigarette à la main et que ça lui donne une silhouette intéressante. Ensuite, ce que j'ai constaté, c'est que je trouvais le sol un petit peu trop lumineux, donc j'ai juste rajouté un petit filtre gradué pour diminuer un petit peu l'exposition ici. Donc c'est vraiment très très simple, hein. Vous voyez, j'ai mis un filtre jusque là, avec un peu moins d'exposition, histoire d'assombrir le bas de l'image et de ramener l'attention un peu plus vers mon sujet ici. J'ai également mis un tout petit peu de vignettage, histoire de ramener encore l'attention au centre, et puis bah, au final, on s'arrête là, après j'ai fait des petits ajustements, mais globalement, c'est ce que j'ai fait sur l'image, vous voyez que j'ai juste aussi assombri un petit peu sa silhouette ici au milieu, et c'est tout. Alors je vais vous montrer celle-ci, parce que là pour le coup, j'ai pas mal bossé sur le recadrage, hein. J'ai eu plusieurs essais, donc d'abord, bon, j'ai fait quelques petits réglages de contraste, d'exposition, de haute lumière, de température, etc., qui étaient juste là pour bah, voilà, ramener un petit peu de lumière dans l'image, un peu de contraste, et bleuter un petit peu davantage les pavés, comme je l'ai souvent fait dans cette série, hein, ce qui permet aussi de garder une espèce de cohérence à l'ensemble. Et ensuite, j'ai voulu recadrer parce que le cadrage de base ne me convenait pas. Alors, j'ai pas pu le faire à la prise de vue, simplement parce que j'étais à fond de zoom. Hein, j'étais à 35 mm, ce qui est le maximum de mon zoom, et donc j'ai pas pu cadrer plus serré. Donc, c'est pas grave, je le fais au post-traitement. Donc, d'abord, je tente de cadrer juste un peu plus serré. Vous voyez, je tente de revenir en arrière, ça marche pas forcément super bien. Je vais pencher un tout petit peu l'image qui était penchée, et puis ensuite je vais tester des choses. D'abord, je vais tester d'enlever complètement ce truc noir qu'on voit à droite à la base, hein, qui est le bord de la fenêtre. Ensuite, je vais un petit peu affiner les choses. Ici, je bosse juste un petit peu sur les blancs donc, et les hautes lumières dans la vitrine, de manière à pas avoir non plus quelque chose de trop lumineux ici, mais au final, je reviens sur quelque chose qui est assez proche de ce que j'ai fait avant. Hein, j'ai modifié quelques petites choses, mais pas grand-chose au final, c'est juste histoire d'équilibrer un petit peu les tonalités. Alors ça, c'est ce que j'avais choisi au départ, et puis là, c'est en discutant avec David que lui, il se demandait si le cadrage était aussi bien que ça, si on pouvait faire quelque chose, et au final, ben, on a essayé d'autres choses, donc ça par exemple, puis ceci, et on est resté là-dessus tout simplement parce que c'est en fait plus amusant d'avoir ce personnage en vitrine complètement coupé, et donc la main qui se pose directement sur la tête du monsieur. Cette main-là, qui est presque une main aux fesses impliquée, on va dire, il y a une espèce de décalage qui est plus important en voyant pas tellement le haut de la silhouette que ce qu'on voyait avant avec toute la silhouette, où là, on voit bien que c'est un mannequin. Alors évidemment, là, on se doute bien que c'est pas les mains de quelqu'un, mais du coup, ça peut donner un petit peu l'impression pendant une demi-seconde que c'est quelqu'un. Bon, en tout cas, on se demande, et du coup, c'est un peu plus étrange. Il y a un côté un peu plus surréaliste que celle-ci, où là, bah, pour le coup, c'est plus littéral, hein, vu qu'on voit davantage que c'est un mannequin, voilà, on voit davantage la cravate, etc., machin. Donc là, voilà, ça fonctionne mieux comme ça.
Alors, je vais vous parler de celle-ci qui a requis un peu plus de boulot. Donc, vous voyez qu'elle était comme ça à la base. Donc, les éléments sont là, mais les tonalités ne sont pas du tout les mêmes. Donc, d'abord, j'ai pas mal augmenté l'exposition parce que la photo était vraiment sombre. Et puis, j'ai ensuite rajouté un filtre gradué, histoire d'équilibrer un peu les deux parties de l'image. Ce que je voulais pas, c'était que cette partie gauche soit beaucoup plus lumineuse que la partie droite, ce qui était un peu le cas à la base. Vous voyez qu'avec la lumière dans la vitrine, on a beaucoup plus de lumière ici, et pourtant le sujet, il est clairement à droite avec ces deux personnages. Et du coup, moi, je voulais simplement rééquilibrer les choses. Du coup, ensuite, je remonte un petit peu l'exposition globale, et puis je tente ici de diminuer les hautes lumières, vous voyez, pour vraiment enlever la lumière uniquement sur les parties qui sont un petit peu cramées. Ensuite, je vais rajouter du contraste pour donner un petit peu de peps à la photo, hein, parce que dans ma série, globalement, j'ai fait le choix d'avoir des photos assez contrastées avec des couleurs assez saturées. Donc bah, j'en ai rajouté partout, hein, vous voyez, toutes les retouches que je vous montre, c'est toujours ça. Et puis ensuite, je vais essayer de mettre en valeur ces deux personnages, eh bien, en faisant un filtre radial sur eux. Donc, vous voyez que je rajoute un filtre radial ici, et ce filtre radial, je lui mets juste de la clarté, qui est un petit peu le curseur de texture dans Lightroom et qui permet de les faire ressortir davantage. Et on voit vraiment l'avant-après, hein. On voit vraiment les choses. Hein. Si je reviens juste avant la création du filtre, vous voyez qu'il y a une belle différence. Ensuite, je vais encore augmenter l'exposition parce que je considère que je peux le faire. Et là, je suis satisfait de l'exposition sur mes personnages. Je trouve que globalement, c'est pas mal. Par contre, il y a encore trop de lumière à gauche et un peu trop de lumière en haut. Donc, je vais simplement rajouter des filtres gradués. Alors, celui qui était déjà à gauche, en fait, je le mets à jour, histoire de diminuer un petit peu la lumière. Et puis, je vais en mettre un autre qui, lui, est un peu plus petit, en fait. Donc, vous voyez, j'ai ce filtre ici, globalement, qui, lui, a un peu moins d'exposition, un peu moins de haute lumière. Et puis, j'ai celui-ci, qui est juste un peu moins d'exposition, encore sur la gauche de l'image. Pourquoi j'en fais deux? Parce que si j'en fais qu'un seul, ça va peut-être trop assombrir cette partie-là, et on va vraiment voir la limite entre les deux parties de l'image, et le but c'est que la retouche ne se voit pas, hein, simplement d'équilibrer les tonalités comme on veut. Et donc là, bah, en rajouter une deuxième couche, ça me permet vraiment d'assombrir cette partie-là, sans trop jouer sur celle-ci que je veux quand même dans des tons moyens. Et puis ensuite, eh bien, je vais rajouter un filtre gradué tout en haut, ici, que vous voyez là, avec aussi un peu moins d'exposition, histoire de vraiment ramener l'attention sur eux. N'oubliez pas, l'œil va aller vers les zones plus claires plutôt que vers les zones plus foncées, et donc bah, si vous voulez amener le regard du spectateur quelque part, eh bien vous allez essayer d'y amener de la lumière. Ou alors vous allez enlever de la lumière ailleurs, mais dans tous les cas, il faut que ce soit une partie en général plus lumineuse que le reste, ou en tout cas plus contrastée, comme j'explique dans mon guide Oser Composer que vous pouvez télécharger, je vous mets le lien juste en dessous. Et ensuite, juste après ça, bah, je me suis juste rendu compte que je voulais un tout petit peu diminuer la température de couleur de l'image, c'est-à-dire la refroidir légèrement, pour avoir des tons un peu plus violets, que je trouvais un peu plus intéressants. Et on garde quand même ces tons orangé, rouge, jaune ici. Donc ça me permet d'avoir une espèce de contraste entre le chaud et le froid, ce qui était souvent le cas, hein, dans les photos de cette série. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris ce qui se passe dans ma tête quand je fais une retouche, parce que c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message dans cette vidéo. Évidemment, c'est important de savoir comment retoucher correctement, mais surtout, il est important de savoir pourquoi. Sinon, vous courez le risque d'en faire soit trop et de vous retrouver avec des HDR fluo dégueulasses, soit d'en faire pas assez parce que vous avez peur d'affirmer vos choix, ou alors bah, de ne pas faire les bonnes choses pour améliorer votre image selon votre intention, de juste faire ça un petit peu au hasard. Donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer avec cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et puis commentez-la, c'est hyper important pour l'algorithme de YouTube. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, eh bien, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour ne pas rater les prochaines. Et d'ici là, à bientôt et bonne photo !